Donc salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo PlayStation VR sur Res Infinite qui est donc un remake du Res PlayStation 2 et Dreamcast avec un niveau bonus. Je vais essayer de vous montrer un niveau de base et le niveau bonus rapidement. Donc on se retrouve de suite dans le game. Donc voilà, j'ai lancé la zone 3, je me suis dit on va lancer hop, pas le premier qui doit être pas mal montré. Hop donc, on vise avec la tête quand on joue à la manette, on peut jouer au PS Move, c'est super mal foutu, franchement je ne sais pas, j'ai essayé une fois, j'ai galéré. Hop donc on peut si on veut appuyer, hop j'appuie ça part, mais le mieux c'est de rester appuyé sur le bouton croix, de viser tout ce qu'on peut, on relâche. Hop. Alors on voit que ça fait des petits trucs médicaux, ça aussi, lui on le tue, et là on vise, hop max jusqu'à 8. Et ça lance aussi con que ça, on gagne des niveaux. Les niveaux ne nous rendent pas plus forts, ils nous rendent juste. Ils nous donnent des vies en fait, c'est des vies, ils appellent ça des niveaux, mais ça nous donne des vies en plus. Là je suis niveau 1. Et on peut avoir aussi un overdrive, il me semble que c'est overdrive qu'ils appellent ça, pour tout détruire. Et à chaque fois, hop, on active ça, on passe à la zone suivante. Donc c'est le même reste que sur Play 2. Les 5 niveaux de base. Sauf qu'on est vraiment dedans, c'est absolument magnifique, les couleurs sont superbes, la 3D est excellente. Le jeu tourne vraiment bien sur le casque, beaucoup de jeux PSVR sont flous, celui-là que vous jouez à la PS4 normal ou pro, c'est pareil, il est parfaitement net. Donc c'est un vrai plaisir visuellement, et encore la zone spéciale est encore plus belle. Donc ça le truc bleu que j'ai pris, voilà, ça m'a donné une petite barre, quand toutes les barres sont remplies, je passe au niveau suivant. Ce qui me permet de me prendre plus de dommages en fait, tout simplement. Hop. Là on voit que j'ai gagné un niveau. Donc level le. Et comme je l'ai dit, ça me rend pas plus fort. C'est juste que ben voilà, j'ai pris un coup, je suis retourné au niveau d'avant. Ça aura pas duré longtemps. Voilà, on arrive à la dernière zone. Chaque niveau a un boss. C'est ça qui est dur dans le jeu, vraiment. Les boss, c'est ça qui m'a fait perdre plusieurs parties. Parce que 2-3 coups et vous êtes mort. Donc, vraiment pas le droit à aucune erreur. Faut laisser passer aucun missile, aucun ennemi. Et voilà, déjà. Déjà. Donc, on bouge la tête. Comme un hystérique dans tous les sens au boss. Voilà, j'ai mouru au boss, c'était à prévoir. Donc je vais vous montrer la fameuse Area X. Donc voilà, la Area X, c'est une zone qui a été hop, développé exprès pour ce remaster PS4 PlayStation VR. Donc déjà on voit que c'est beaucoup plus beau. Les autres c'était vraiment les niveaux Play 2 passés en une résolution plus élevée en VR. Là on a des particules dans tous les sens. Hop, c'est absolument sublime. C'est une des deux nouveautés. Et l'autre c'est que hop, voilà, on a un gameplay à 360. On tourne vraiment sur nous-mêmes. C'est plus un gameplay sur rail. R2 je freine, R1 j'avance. Hop. Par contre voilà, je trouve ce gameplay personnellement un peu plus bordélique. Même si ben le niveau est absolument excellent, il est absolument génial, autant musicalement que visuellement. Visuellement c'est je crois la plus belle chose que j'ai vue en VR, vraiment la fin, je vais pas vous la montrer, la fin est trop belle, je vais pas la montrer en vidéo. Mais c'est absolument magnifique, il y a des particules en tous les sens, c'est un rêve sous nos yeux, c'est absolument incroyable. Voilà, là on a vraiment des choses qui sont de plus en plus belles. C'est beau déjà, je sais que c'est beau pour vous sur écran, mais en vrai c'est. Là avec l'écran OLED du PlayStation VR qui est peut-être le plus bel écran OLED que j'ai vu, les couleurs, les contrastes, c'est absolument magnifique. C'est superbe, franchement c'est absolument superbe. Voilà, ça on voit, on a les émotions et tout, voilà, c'est. Hop, c'est trop beau, c'est absolument magnifique. Donc ouais, je m'étais pas pris une baffe pareille en VR depuis un bon moment.
Là, Rez me l'a mis. Il me montre qu'on a pas besoin de graphisme photoréaliste quoi pour en mettre plein la vue. Des fois, un truc artistique absolument sublime. Avec des petits points partout, ben, ça suffit. Ah, la musique aussi. Je la trouve absolument géniale. Elle me fait penser, je crois que c'est Ghost in the... Non, c'est plutôt Akira. Elle me fait penser à la musique d'Akira, moi. Que j'adore. Avec ses voix comme ça un peu étrange. Bon voilà, on va s'arrêter là parce qu'on va s'approcher de la fin qui est magnifique. Ce niveau dure 30 minutes, il est absolument génial, c'est un ajout vraiment qui relève le truc. Donc il fait passer le jeu un peu au-dessus d'un simple remaster vert. Et voilà, Rez, ça a essayé, il y a une démo, la démo est dispo, essayez la démo. Si vous aimez, ça vaut 30€. Personnellement, j'ai trouvé très sympa. Et ce niveau est une vraie merveille. Donc je vous dis, hop, je vais essayer de viser. À bientôt, tout le monde.